my life into pieces. This is my last resort. Suffocation, no breathing. Don't give a fuck if I get my heart bleeding. Suffocation, no breathing. Don't give a fuck if I cut my arm bleeding. Do you even care if I die bleeding? Would it be wrong, would it be right? Ever took my life tonight? Chances are that I might. Mutilation out of sight. And I contemplate to do it. Well now, we call this the act of mating. But there are several other very important differences between human beings and animals that you should know about. Et le Big Fish pour le moment avec un cheval. 8e, Mirou Johan, 1175 points. 7e, Le Boutère Mathieu, 1230. 6e, Bourguignon Sébastien, 1390 points. 5e, Oupin Nicolas, 1740. 4e, Bontempelli Tom, 1750. 3e, Gironce Jean-Michel, 1765. Deuxième, Niger Manuel, 2180. Et premier, Jérémy Seguin avec 2220 points. Hey girls, hey boys, superstar DJs, here we go! We'll be right back.
le circuit. Donc vous étiez 48 compétiteurs aujourd'hui, venus d'un peu toutes les régions. Il y en avait de Bretagne, d'Alsace, de Franche-Comté, etc. Donc merci à vous. Ensuite, au niveau de l'organisation, il y a eu un certain nombre d'organisations qui se sont associées pour monter cette Open. Donc tout d'abord, évidemment, la FCPL, représentée au niveau Île-de-France par Michel Polydor, qui organise le circuit national. Ensuite, au niveau local, le club Carnat 77, qui est un club départemental de pêcheurs de carnassiers. Donc je vais demander à son président, Yann Besson, s'il veut bien venir me rejoindre sur scène. Voilà, merci au club Carnat 77 qui a fourni notamment une bonne partie des... de l'informatique qui est un outil fabuleux, mais parfois a quelques petits ratés et entraîne des difficultés. Bon, ce que je voudrais dire d'abord, premièrement, je remercie les très nombreux participants de cette compétition, toutes nouvelles de notre secteur, de notre département, et je pense que cette première sera suivie d'autres, sous la forme annuelle, dans le cadre justement de ce qui est fait par la Fédération de pêche au leurre. Et ce que l'on disait avec René Charles, c'est aussi justement, on pourrait peut-être envisager de faire tourner sur quelques secteurs du département qui offrent aussi cette même possibilité de s'équiper. Donc je remercie aussi tous ceux qui sont venus de très loin. J'ai entendu parler de Bretons, d'Alsaciens et peut-être de quelques autres secteurs de France. Je crois que ça semble très important. Et j'en profite pour dire également que le département de Seine-et-Marne va s'engager dans la réciprocité de l'ego à partir de 2011, c'est-à-dire une réciprocité très large. Ça va faire 60 ou 73, parce qu'il y en aura peut-être un supplémentaire, 73 départements, et ce que nous souhaitons tous, c'est qu'effectivement, dans un avenir suffisamment proche, les pêcheurs puissent se rendre à peu près partout. Ça me semble très important. Ça, voilà. Donc, merci à tous. Maintenant, je vais te rendre le micro, je n'ai pas autre chose à dire. Il se fait.